Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Ce soir avec vous, un rendez-vous mensuel, un mercredi soir en deuxième partie de soirée, toujours à Saint-Nazaire. Nous sommes au cœur de la base sous-marine et nous nous dirigeons ensemble vers le VIP, cette salle de spectacle, de concert qui nous accueille. Le principe est le même que la première fois, des débats, des chroniques, de la musique. Lise Chéral, ce nom vous dit quelque chose? C'est la petite sœur d'une autre Chéral. Elle sort également un premier album solo. Elle est là, dans Ce soir avec vous, même si pour elle, c'est un matin. J'ai cru voir l'amour, il était grand, il était brun, il me prenait toujours la main les jours où j'avais du chagrin. Alors j'ai foncé tête baissée, droit dans l'amour qui consolait quand l'envie de rire me reprit. Cet amour-là n'a pas suivi. Et il m'a dit, le jour où le chagrin s'efface, moi je ne trouve plus ma place, cherche-toi un autre compagnon, moi je ne suis que la compassion. Alors j'ai repris mon chemin et j'ai trouvé un beau matin l'amour qui me faisait des blagues et me proposa une bague. Au milieu d'un bonheur en or, je fus frappée d'un coup du sort. Comme je ne rigolais plus du tout, l'amour prit ses jambes à son cou, tout en disant c'est pas marrant quand tout fout le camp. Je suis plus dans mon élément, moi je suis l'amour des beaux jours et je préfère passer mon tour. Mois plus tard, l'amour sensuel vint pour me couvrir de son aile, la force de me caresser. L'amour me faisait déborder. Il va sans dire que le plaisir m'avait bien plus que comblé. J'ai du désir, mais pour changer, peut-être on pourrait discuter. Et ouais, tu veux qu'on parle, tu veux qu'on sorte, t'as pas frappé à la bonne porte. Ici, y a pas d'intellectuel, moi je ne suis que l'amour charnel. Alors pour trouver mon bonheur, j'ai pris tous mes petits compagnons, je les ai mis dans un mixeur, j'ai appuyé sur le bouton. J'ai encrassé tous les rouages, je vous raconte pas le carnage, le résultat, une belle purée, j'étais seule et bien avancée. Réponse à mes questions, j'ai fini toute seule en prison. J'ai eu le temps de réfléchir. En conclusion, je peux vous dire que venir au sang, venir aux mains ou au mixeur ne résout rien. Cette chanson a une morale. En amour, je comprends que dalle. Que dalle. Lise Chéral, artiste nantaise, sur la scène du VIP en live pour un extrait de son premier album intitulé Il est arrivé quelque chose. Bonsoir Lise. Merci, bonsoir. Merci d'être là présent avec nous. On vous connaît, ça fait de nombreuses années que vous arpentez les scènes, mais là ça y est, premier disque, premier bébé, il est tout frais, il est tout neuf, ça fait quoi? Bah déjà ça fait 2 jours qu'il est sorti, donc ça fait très 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 plaisir. Il est sorti lundi et ça y est quoi, je le lance un peu, je le lance dans la foule, je le lance à tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui c'était encore un truc très personnel et ça y est maintenant ça va devenir l'objet de tout le monde, j'espère. Hein. Oh, oui, de tout le monde. On parle de la chanson que vous avez interprétée un matin. Alors, il y a certains chanteurs qui passent leur amour à la machine. Vous dites-moi, vous, carrément, vous passez vos amants au mixeur. Vous êtes une femme dangereuse. En fait, je me suis dit que la meilleure solution pour trouver l'homme parfait, c'était de mélanger plusieurs personnes, quoi, les trois hommes différents. Mais le seul moyen que j'ai trouvé pour faire ça, c'est de les mettre dans un mixeur. Et au final, ce n'était pas très beau à voir. C'est votre patte, ça, un thème mélancolique, on va dire, l'amour qui passe, et puis un traitement assez ironique.
Oui, bah, c'est un petit peu comme ça qu'on me reconnaît en ce moment. En tout cas, j'aime bien aborder des sujets parfois un petit peu durs, parfois un petit peu tristes. Mais comme j'aime bien aussi rigoler, bah, je fais un mélange de ces deux choses. Parfait, Lise. Eh ben, on en parle dans la suite de l'émission puisque vous nous interprétez un autre titre, titre qui sera justement « Il est arrivé quelque chose ». Ouais, merci Vincent, merci Lise Chiral. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Hein. Restez avec nous si vous aimez la musique et notamment les compositions de cette jeune artiste nantaise. Maintenant, on va passer au deuxième plat préparé par Lise Chiral, puisqu'elle est toujours aux côtés de Vincent Calcagny. On va retrouver la charmante artiste pour parler musique à nouveau, Vincent. Ben oui, Emmanuel, je me trouve en fait derrière la scène, dans les coulisses, on appelle ça le backstage dans mauvais anglais. On va découvrir Lise Chiral avec un deuxième morceau de son premier album. Souvenez-vous, il s'appelle « Il est arrivé quelque chose ». C'est justement le titre qu'elle nous interprète. Après, on discute sur sa carrière, sur ses goûts, sur sa musique. Mais pour l'instant, place à la musique, Lise Chiral. C'était la fin d'après-midi d'un jour où l'on ne pense à rien, aux heures qui passent et qu'on oublie, le jour fini, on dit c'est bien. Mais ce jour-là, curieusement, je m'en souviendrai toute ma vie. Parfois les mots sont si violents et les douces voix se font si. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Et la vie ce n'est pas si rose. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Je décrochais le téléphone pour faire taire cette sonnerie. Et je reconnus la personne qui entre de sanglots me dit. Il est arrivé quelque chose. Je dois te le dire, mais je n'ose. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. D'un coup, tout mon corps serait dit, comme si je ne comprenais pas bien la nouvelle de l'après-midi. Mes mains se mirent à trembler. Je me cognais dans tous les coins. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Je ne comprends pas de quoi tu causes. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Pour comprendre ce qu'on me dit, je devais me rendre là-bas. Je foulais le sol du lieu-dit quand j'entendis sonner le glas. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Des larmes coulent sur ma prose. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Des larmes coulent sur ma prose. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Chiral, deuxième extrait de son album « Il est arrivé quelque chose ». Lise qui nous rejoint ici pour faire plus ample connaissance avec le micro que je lui tends. Alors Lise, dans votre spectacle et dans votre disque, on sourit, on rit. Et puis il y a des moments aussi comme cette chanson « Il est arrivé quelque chose » où on retient son souffle. C'est une expérience, on va pas fouiller. C'est tellement réel ce que vous nous racontez, cette histoire d'accident, d'attente, qu'on dirait que c'est vécu. Cela dit, un premier album, c'est toujours comme ça, autobiographique ? Ben oui, c'est ce qu'on dit. Et puis cette chanson, oui, particulièrement, elle raconte quelque chose de vrai, quelque chose qui s'est vraiment passé pour moi, qui s'est vraiment passé pour plein d'autres gens. Et c'est vrai que moi, en ce moment et pour ce premier album, j'ai écrit des choses que j'avais à l'intérieur de moi, des choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à des personnes de mon entourage. C'est de ça que je me suis nourrie ces dernières années
Bah, pour pouvoir écrire ce premier disque. Et quand on raconte quelque chose de personnel, bah, finalement, c'est aussi universel. Ça fait réagir le spectateur, l'auditeur. Mais oui, et puis figurez-vous, Vincent, que souvent, à la fin des concerts, on vient me parler de ces chansons que je croyais vraiment très intimes et qui, en fait, parlent beaucoup, parlent aux gens et qui des fois, viennent me raconter leurs expériences personnelles à la fin des concerts. Et ça se transforme parfois en bureau des pleurs. C'est assez, c'est assez étonnant, mais voilà, tant mieux si ça parle, c'est pour ça que je le fais aussi. Alors sur scène, Lise Chéral, c'est pas vraiment le bureau des pleurs, hein, ça reste du divertissement. Oui, et puis voilà, moi j'écris des chansons parce que j'aime faire de la scène. J'aime faire de la scène parce que j'aime faire rire, j'aime transmettre des choses. Et quand des gens viennent nous voir en concert, c'est pour passer un bon moment. Donc moi j'ai envie, c'est du spectacle vivant, j'ai envie de donner des choses positives. Alors même si mes chansons sont parfois un petit peu dures, avec des thématiques un petit peu tristes, en concert, on passe un bon moment, promis. Alors, premier album sous votre nom et puis sous votre prénom. Hein. Je crois que vous avez une grande sœur qui s'appelle Jenny. Jeanne, il faudra relire les fiches là, hein, Vincent. D'accord, Calgani. Oui, bah justement, Jeanne Chéral. Qu'est-ce qu'elle en a pensé de votre disque et puis, Mais je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Vous n'aurez qu'à lui demander. D'accord. Eh ben, c'est ce qu'on fera bientôt, puisque j'imagine qu'elle va peut-être venir vous voir à votre concert, puisque concert dans la région, c'est, je sais Emmanuel, vous adorez voir les artistes live. Oui, c'est pour ça que je vous ai rejoint, je veux savoir quand est-ce qu'on vous voit sur scène. Eh bien, ce sera le 17 novembre à la salle Paul Fort, et ça va être un concert un petit peu... Exceptionnel. Salle Paul Fort à Nantes. Extraordinaire et unique, oui, c'est à Nantes. Et en fait, il y aura 10 musiciens invités pour ce concert, des musiciens qui ont joué sur l'album, et en fait... Pour Nantes, pour la salle Paul Fort, on a eu envie de créer un événement particulier pour fêter aussi la sortie du 10. Donc on va jouer à 10 sur scène ce concert qu'on tourne actuellement à 3. Donc ça c'est le 17 novembre. Et puis quand même une autre date parce qu'elle est parisienne, mais c'est au cabaret des Trois Baudets. C'est vraiment le cabaret qui a vu naître Gainsbourg et d'autres artistes comme Brassens. Donc ça c'est quand même une date à retenir. Et puis oui, parce que c'est à Paris et souvent on parle des dates parisiennes. Donc c'est le 22 novembre aux Trois Baudets à Paris. Merci beaucoup Lise Chéral. Merci Vincent, vous restez avec nous. Est-ce que vous nous présentez un autre artiste ?